comprends pas beaucoup de vous. Cette semaine, vous êtes là au général et vous, on a l'impression que vous montez en puissance tranquillement, en tout cas discrètement. Et ouais, là. Ouais, petit à petit, je suis de plus en plus à l'avant sur la course. J'espère que aujourd'hui ça va continuer dans ce sens-là, mais je pense que c'est de bon augure pour la suite d'être dans une forme ascendante pour bien finir ce Dauphiné et pour les échéances à venir. Qu'est-ce que vous espérez sur une étape comme aujourd'hui? Il peut y en avoir partout, mais vous n'êtes peut-être pas assez loin en général aussi pour qu'on vous laisse partir? Non, je pense pas pouvoir partir de loin. Ça va dépendre de la course, ça va dépendre de quand on va arriver dans le premier col, le col de Beaubois, qui est très difficile si la course est encore, si l'échappée n'est pas partie, là il peut avoir des coureurs à 3-4 minutes qui se lancent et là ça peut être une étape terrible. Si l'échappée part avant le col de Beaubois, peut-être un tempo et une explication d'Ambizane et sur la montée de Megève.